Aujourd'hui, apprenons les chiffres et les couleurs. Hein ? Ouais ! Bonjour Foufou. Alors, il paraît que tu es un as du foot ? Ouais, bon, t'es content. Ok, bah montre-nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, encore une fois. Et n'hésite pas à compter avec moi si tu veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Allez, passons à la suite. Hein ? Ouais ! Rouge. Oui ! Orange. Jaune. Yeah. Vert. Hein? Ouais. Bleu. Oui. Violet. Rose. Oui. Noir. Oui. Gris. Yeah. Blanc. Tu t'es bien amusé ? Oui ! Alors rendez-vous au prochain épisode. Aujourd'hui, apprenons les animaux. Là-bas. Ouais ! Une abeille. A bee. Una abeja. Wow. Une abeille. A bee. Una abeja. Ouais. Une baleine. A whale. Una ballena. Une baleine. A whale. Una ballena. Un canard. A duck. Un pato. What? Un canard. A duck. Un pato. Ouais! Un dauphin. A dolphin. Un delfin. Un dauphin. A dolphin. Un delfin. Un éléphant. Un elephant. Un elefante. Wow. Un éléphant. Un elephant. Un elefante. Wow. Un hibou. An owl. Un burro. Yeah.
Un hibou. An owl. Un bourre. Une girafe. A giraffe. Una jirafa. Une girafe. A giraffe. Una jirafa. Un mouton. A sheep. Una oveja. Un mouton. A sheep. Una oveja. Un tigre. A tiger. Un tigre. Un tigre. A tiger. Un tigre. Koala. A koala. Un koala. Wow. Un koala. A koala. Un koala. Un iguane. An iguana. Una iguana. Un iguane. An iguana. Una iguana. Un lion. A lion. Un león. Un lion. A lion. Un león. Un hippopotame. A hippopotamus. Un hippopotamo. Un hippopotame. A hippopotamus. Un hippopotamo. Tu t'es bien amusé? Ouais! Alors rendez-vous au prochain épisode! Aujourd'hui, trouvons les mots mystères! Alors, Foufou, aujourd'hui, nous allons trouver les mots mystères! Ouais, mais... Tu vas voir, c'est très simple! Je vais te donner des lettres dans le désordre qu'il faudra remettre dans le bon ordre. Par exemple, les trois lettres B, S, U, remises dans le bon ordre, cela donne B, U, S, bus. Tu as compris? Allez, c'est parti! Ah, Foufou a trouvé! Toi aussi? C'est bien! Waouh! Un jus! J-U-S! Jus! Je crois qu'on a la réponse! Et toi? C'est bien. Ouais. Un tigre. T I G R E. Tigre. Il me semble que Foufou a la réponse. Et toi? C'est bien. Yeah. Du pain. P A I N. Pain. Je crois que Foufou a trouvé. Toi aussi? C'est bien. Oui. Une maison. M A I S O N. Maison.
coup à trouver. Et toi? C'est bien. Ouais. Un poisson. P O I S S O N. Poisson. Il me semble que Foufou a la réponse. Toi aussi? C'est bien. Ouais. Une pile. P I L E. Pile. Je crois qu'on a la réponse. Toi aussi? C'est bien. Wow. Un rat. R A T. Rat. Je crois que Foufou a trouvé. Et toi? C'est bien. Ouais. Un carré. C A R R E accent aigu. Carré. Tu t'es bien amusé? Ouais. Alors rendez-vous au prochain épisode. Aujourd'hui, apprenons le tri sélectif. Alors, Foufou, que vas-tu nous montrer aujourd'hui? Un journal en papier. J-O-U-R-N-A-L. Journal. Et lorsque l'on a fini de le lire, où le jette-t-on? Bravo! Dans la poubelle jaune. Un saladier en verre. S A L A D I E R. Saladier. Et s'il est cassé, où le jettes-tu? Bravo! Dans la poubelle verte. Une aubergine. A U B E R G I N E. Aubergine. Et si elle est avariée, où la jettes-tu? Bravo! Dans la poubelle marron. Une passoire en plastique. P A S, S, O, I, R, E. Passoire. Et lorsqu'elle est cassée, où la jettes-tu? Bravo! Dans la poubelle jaune. Un poivron. P, O, I, V, R, O, N. Poivron. Et s'il est avarié, où le jettes-tu? Bravo! Dans la poubelle marron. Un vase en verre. V A S E. Vase. Et s'il est cassé, où le jettes-tu? Bravo! Dans la poubelle verte. Tu t'es bien amusé? Ouais! Alors rendez-vous au prochain épisode.
Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Alors, Foufou, qu'as-tu prévu d'offrir à ta maman pour la fête des mères? Une surprise. Ah? Bon, on t'écoute. Ouais! Un dessin. D. E. S. S. I. N. Dessin. Un collier de pâtes. C O L L I E R. Collier de pâtes. Ouais. Une photographie. P H O T O G R A P H I E. Photographie. Yes. Un bouquet de fleurs. B O U Q U E T. Bouquet de fleurs. Un bijou. B I J O U. Bijou. Wow. Un livre. L I V R E. Livre. Tu t'es bien amusé? Ouais! Alors rendez-vous au prochain épisode! Aujourd'hui, trouvons les syllabes. Alors, Foufou, quel mot allons-nous analyser aujourd'hui? Badalarino mareuse. Oui. Très bien, nous t'écoutons. Ce mot se compose de trois syllabes. Une, deux, trois syllabes. Se, ri, ze. Cerise. C, E, se, R, I, ri, S, E. Ze, cerise. Ce mot se compose de deux syllabes. Une, deux syllabes. Chapeau. Chapeau. C, H, A, cha, P, E, A, U. Peau. Chapeau. Ouais. Ce mot se compose de quatre syllabes. Une, deux, trois, quatre syllabes. Trop, ti, net, te. Trottinette. T, R, O, T. Trop, T, I, T, N, E, T, net, T, E. Te. Trottinette. Ouais. Ce mot se compose de deux syllabes. Une, deux syllabes. Bo, te, botte. B, O, T, bo, T, E, te, botte. Ouais. Ce mot se compose de trois syllabes. Une, deux,
Trois syllabes. A. Ri. Co. Haricot. H. A. A. R. I. Ri. C. O. T. Co. Haricot. Waouh! Ce mot se compose de quatre syllabes. Une, deux, trois, quatre syllabes. Coq, si, nel, le. Coccinelle. C, O, C, coq, C, I, si, N, E, L, nel, L, E, le. Coccinelle. Ce mot se compose de trois syllabes. Une, deux, trois syllabes. Lu, net, te, lunette. L, U, lu, N, E, T, net, T, E, S, te, lunette. Tu t'es bien amusé ? Oui ! Alors rendez-vous au prochain épisode. Aujourd'hui, trouvons les mots mystères. Alors, Foufou, aujourd'hui, nous allons trouver les mots mystères. Ouais, mais... Tu vas voir, c'est très simple. Je vais te donner des lettres dans le désordre qu'il faudra remettre dans le bon ordre. Par exemple, les trois lettres B, S, U, remises dans le bon ordre, cela donne B, U, S, bus. Tu as compris? Allez, c'est parti! Ah, Foufou a trouvé! Toi aussi? C'est bien! Waouh! Un bol! B, O, L! Bol! Je crois qu'on a la réponse! Et toi? C'est bien. Ouais. Un chien. C H I E N. Chien. Il me semble que Foufou a la réponse. Et toi? C'est bien. Yeah. La lune. L, U, N, E. Lune. Je crois que Foufou a trouvé. Toi aussi? C'est bien. Oui. Un doudou. D, O, U, D, O, U. Doudou. Ah, Foufou a trouvé. Et toi? C'est bien. Ouais. Des ciseaux. C, I, S, E, A, U, X. Ciseaux.
Il me semble que Foufou a la réponse. Toi aussi ? C'est bien ? Ouais ! Un œuf. O, E, U, F. Œuf. Je crois qu'on a la réponse. Toi aussi ? C'est bien ! Waouh ! Un âne. A accent circonflexe. N, E. Âne. Je crois que Foufou a trouvé. Et toi ? C'est bien ? Ouais ! Un cœur. C, O, E, U, R. Cœur. Tu t'es bien amusé ? Ouais ! Alors rendez-vous au prochain épisode. Aujourd'hui, apprenons la différence entre l'écriture script et l'écriture cursive. Bonjour Foufou. Comment vas-tu ? Ouais, bon, dis c'est pas carré, va. Ah, très bien. Alors, aujourd'hui, voyons la différence entre écriture script et écriture cursive. L'écriture script est une écriture dans laquelle les lettres ne sont pas liées les unes aux autres et dont le tracé correspond approximativement à celui des caractères typographiques utilisés en imprimerie. Hein ? A contrario, l'écriture cursive est une écriture au tracé rapide dans laquelle les lettres sont liées les unes aux autres. C'est l'écriture que l'on utilise généralement au quotidien. Pour résumer, l'écriture script, c'est l'écriture d'imprimerie. Alors que l'écriture cursive, c'est l'écriture de tous les jours. Mais prenons un exemple. Ouais ! Une abeille. En lettres script, cela donne... En minuscule, en majuscule... Et en lettres cursives, cela donne... En minuscule, et en majuscule. A... B, E, I, L, L, E. Abeille. Autre exemple. Oui. Bouteille. En lettres script, cela donne. En minuscule. En majuscule. Et en lettres cursives, cela donne. En minuscule. Et en majuscule. B, O, U, T, E, I, L, L, E. Bouteille. Autre exemple. Yeah. Un cactus. En lettres script, cela donne. En minuscule. En majuscule. Et en lettres cursives, cela donne. En minuscule. Et en majuscule. C, A, C, T, U, S. Cactus. Autre exemple. Ouais. Un dinosaure. En lettres script, cela donne. En minuscule. En majuscule. Et en lettres cursives, cela donne. En minuscule. Et en majuscule. D, I, N, O, S, A, U, R, E. Dinosaure.
Autre exemple. Waouh ! Une étoile. En lettres script, cela donne... En minuscule, en majuscule, et en lettres cursives, cela donne... En minuscule, et en majuscule. E accent aigu, T, O, I, L, E. Étoile. Autre exemple. Yeah. Une fusée. En lettres script, cela donne... En minuscule, en majuscule, et en lettres cursives, cela donne... En minuscule, et en majuscule. F, U, S, E accent aigu, E. Fusée. Et enfin, dernier exemple. Ouais. Un gobelet. En lettres script, cela donne... En minuscule, en majuscule, et en lettres cursives, cela donne... En minuscule, et en majuscule. G, O, B, E, L, E, T. Gobelet. Tu t'es bien amusé? Ouais. Alors rendez-vous au prochain épisode. Aujourd'hui, apprenons les pays. Alors, Foufou, dis-nous. Où se trouve l'Uruguay? Bravo! U, R, U, G, U, A, Y, Uruguay. Où est l'Irlande? Yeah! C'est bien. I, R, L, A, N, D, E. Irlande. Où se situe la Lettonie? Yeah! Bravo. L, E, T, T, O, N, I, E. Lettonie. Où se trouve le Népal? Yeah. C'est bien. N, E accent aigu, P, A, L. Népal. Où est Madagascar? Yeah. C'est parfait. M, A, D, A, G, A, S, C, A, R. Madagascar. Et enfin, où se situe le Ghana? C'est bien. G, H, A, N, A. Ghana. Tu t'es bien amusé? Ouais. Alors rendez-vous au prochain épisode. Aujourd'hui, trouvons les syllabes. Alors, Foufou, quel mot allons-nous analyser aujourd'hui? Badalarino mareuse. Très bien, nous t'écoutons. Ouais. Ce mot se compose de deux syllabes. Une, deux syllabes. Brosse. Brosse. B, R, O, S,
Brosse. Se. Brosse. Ouais. Oui. Ce mot se compose de trois syllabes. Une, deux, trois syllabes. A, na, nas. Ananas. A, a, n, a, na, n, a, s, nas, ananas. Ouais. Ce mot se compose de quatre syllabes. Une, deux, trois, quatre syllabes. K, k, ouais, te, cacahuète. C, a, k, c, a, k, h, u, e accent grave, t, ouais, t, e, te, cacahuète. Ce mot se compose de deux syllabes. Une, deux syllabes. Croix, sans, croissant. C, R, O, I, S, croix, S, A, N, T, sans, croissant. Ce mot se compose de trois syllabes. Une, deux, trois syllabes. Ba, ga, je, bagage. B, a, ba, g, a, ga, g, e, je, bagage. Ce mot se compose de quatre syllabes. Une, deux, trois, quatre syllabes. T, les, vi, zion. Télévision. T, E accent aigu, T, L, E accent aigu, les, V, I, vi, S, I, O, N, zion, télévision. Ouais. Ah ouais. Ce mot se compose de trois syllabes. Une, deux, trois syllabes. Pa, pi, yon, papillon. P, A, pa, P, I, L, pi, l, o, n, yon, papillon. Tu t'es bien amusé? Alors, abonne-toi vite à notre chaîne. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager les vidéos. Et si tu veux aider Foufou, connecte-toi sur le site Tipeee. Allez, rendez-vous pour le prochain épisode.